Quelle actrice vous a le plus fortement transmis son ADN? Ah, en France, je vois vraiment personne. Vous avez de la visite, je vais peut-être vous laisser alors. Non, aucune importance. C'est ma fille avec sa petite famille. Elle a épousé cet acteur, là? Oh, acteur, c'est un bien grand mot. Welcome. Ils viennent pour me féliciter pour mon livre. Quand ils parlaient de tirer à 100 000 exemplaires. 100 000 copies. 50 000, pas 100 000. Est-ce que tu peux être vaniteuse? C'est quoi ça, maman? Attendre ma fille devant le portail de son école me mettait en joie, mais c'est jamais arrivé une seule fois. Quelle emmerdeuse. Comment ça se passe sur le tournage? Ah bah, elle apprend pas son texte. Non, mais c'est ta faute, hein. Tu l'as tout passé pendant 40 ans. Comment ça, tu t'en vas? Oh, c'est un peu soudain, non? Pourquoi tu fais ça? Sans toi, elle va pas s'en sortir. Moi? Ah non. Vous formez un bon duo. Ah non, c'est hors de question. Maman, ça va commencer, là. Évite de m'appeler maman, ici. Bah, comment veux-tu que je t'appelle? Autrefois, elle était pas comme ça. Moi, j'ai toujours connu comme ça. Tu devrais prendre un peu plus de soin des gens qui t'entourent. Je préfère avoir été une mauvaise mère, une mauvaise amie qu'une bonne actrice. But you wanted to show her a happy family, but that's not gonna make her jealous. Qu'est-ce que je vais faire pour Luc? Commence par t'excuser. Je ne suis jamais excusée auprès d'un homme. Tu veux dire que tu les as tous trompés, mais tu t'es jamais excusée. T'es jamais venue voir la pièce que j'ai jouée? T'es sûre? Le magicien d'Oz se souviendrait, non? On est bien d'accord, tu jouais pas Dorothée. L'épouvantail?